Il est 9h, ce matin, l'association Enfants de Marthe a rendez-vous à l'hôpital de Haute-Pierre. Ils sont beaux, hein ? Nos sachets sont magnifiques. Nous allons chez les enfants malades qui sont soignés en oncologie pour fêter justement quelques instants la Saint-Nicolas. Bonjour Valentin, bonjour Tom. Je te rapporte un peu de réconfort, un petit cadeau pour toi. Générosité, partage, amour et tendresse envers les autres. Depuis 15 ans, Marthe et son équipe se battent pour offrir des moments de joie aux enfants qui vivent un quotidien difficile. Bonjour Thomas. Bonjour. Saint-Nicolas, mais aussi Noël, Épiphanie, Carnaval, Pâques, deux fois par mois pour un goûter brioche. Régulièrement, les bénévoles arpentent les allées de l'hôpital. Après, nous organisons des voyages et des sorties, hein. Donc à la montagne, à la mer, dans la nature aussi, Europa Park. Redonner aux autres les bonheurs qu'elle a pu vivre, c'est son leitmotiv que partagent les bénévoles qui l'accompagnent. Quand on voit les enfants, le bonheur des enfants, le bonheur qu'on peut leur apporter, comme aujourd'hui avec le Saint-Nicolas, la magie dans les yeux, c'est vraiment, ça vaut le coup. Tout ce qu'on peut leur apporter, rien qu'un ballon qu'on souffle, rien qu'un petit sachet, la joie dans leurs yeux, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. L'Omalt de Souffelweyersheim a collecté des fonds toute l'année à travers ces événements. Vous pouvez également soutenir l'association à l'occasion de Noël au village, dimanche 17 décembre de 16 à 19h. Petits chalets et délices de Noël vous attendent. Salut Saint-Nicolas, hein.